Belle, faut qu'on avance. La base se trouve juste après cette colline. Infiltrez-vous, découvrez ce que vous pouvez, et sortez de là. Merde, Park, je pensais rester un moment, visiter un goulag, quoi. Tu feras ça une fois qu'on saura ce que prépare Perseus. Regarde-moi ce monstre. Je me demande ce que les rouges cachent à l'intérieur. Prends une photo, les services secrets sont intéressés. Bon, il est temps de se salir les mains. Je vais les gardes, en haut et en bas. Choisis ta cible. Deux autres sortent du camion. Très propre. Tu vas pouvoir descendre. Je te couvre d'ici. Prends des photos de tout ce qui peut être important. Carte, plan, tout ce que tu trouveras. Мне нужно подкрепление. Reste dans l'ombre et surtout ne t'arrête pas.
tranquille pour l'instant. Mais je n'ai toujours pas de nouvelles de Woods. Continue comme ça jusqu'à l'intérieur. Нужно подкрепление. Что за черт? Perdu quelque chose. Park, Belle a trouvé un accès. Mais on n'a pas beaucoup de temps. Alors en avant. J'ai rien de mieux à ajouter. Des gardes en bas. Je vais en contrebas et j'attaque à ton signal. C'est bon, je suis prêt. Вот ты где! C'est dégagé, j'avance. Ah, t'as trouvé un autre secteur. Merde! Cet endroit a été construit pour servir de système d'alerte contre les missiles. Prudence, il y a peut-être une armée de cocos derrière cette porte. Couvre-moi. C'est un terrain d'entraînement des Spetsnaz. Et ça pourrait correspondre à n'importe quelle ville américaine. Merde, on commence. Merde, on se casse. S'ils veulent un exercice en situation, ils vont être servis. Это не учение! Идем! Мне нужно укрытие! Mettre à couvert.
On approche. Je jette une grenade. Couvre-moi. Directement à la tour de contrôle. Grenade! Je capte de nombreuses communications radio. Quelle est la situation ? On s'est retrouvés en plein exercice.
L'endroit grouille de rouge. On cherche toujours des renseignements. Bordel. Je demande à Mason et Adler de se tenir prêts pour l'extraction. Elle a l'air furax, tu trouves pas? Le monde, on ne va pas cuire. On dirait leur centre de commandement. Par ici. Jackpot, l'ordinateur central. Voyons ce que les rouges nous réservent. Belle, viens sur ce terminal. Regarde ce que tu peux trouver. Bienvenue dans les archives d'analyse de combat du peuple soviétique. Opération Greenlight. Accès restreint. C'est quoi ça, l'opération Greenlight? Belle, tu peux pirater ça? Évidemment, il y a un mot de passe. Fouille la zone. Les rouges sont jamais très malins. Il y a peut-être un indice sur le bureau. Accès restreint. C'est sûrement Staline. C'est toujours Staline. Et c'est Staline. Joli. Je prends une copie. Ça n'a aucun sens. Perseus a infiltré un programme nucléaire de la CIA, nom de code Opération Greenlight, dirigé par Hudson. La tête nucléaire volée est américaine, et Hudson était au courant. Merde! On fout le camp! Mason pourront nous extraire à l'endroit prévu. On doit atteindre cette sortie. Les enfoirés bloquent la sortie. On va devoir se frayer un chemin. Les gars, faut type en armure. J'ai l'air coriace. Je suis en train de se battre.
conduit. Voyons voir. Allumage, commande, vitesse. C'est parti. Accroche-toi, Belle. Oui, je m'en occupe. Je savais que la bombe venait de Greenlight et t'as rien dit. Qu'est-ce que tu nous caches d'autre? Je peux peut-être te faire cracher le morceau. Je te le déconseille, Woods. Que tout le monde se calme. C'est pas en vous hurlant dessus qu'on va trouver Perseus. Pourquoi avoir caché que c'était une bombe américaine? Il avait besoin de nous pour nettoyer sa merde. Cet enfoiré nous ment à tous depuis le début. J'ai pas menti. J'ai omis quelques faits. C'est ton grand truc, pas vrai, Hudson? Manipuler les gens, arranger la vérité à ta sauce. Y a pas de vérité. Tu choisis de croire qui tu veux. Adler en sait quelque chose. Pas vrai, Russ? L'opération Greenlight. C'est quoi? Raconte-nous tout. En 58, la course aux armements battait son plein. Eisenhower pensait que si les Rouges envahissaient l'Europe, on ne pourrait pas riposter. D'où la fameuse opération Greenlight. Un programme top secret qui consistait à placer une bombe nucléaire dans chaque grande ville européenne. La contre-mesure ultime à l'invasion soviétique. En 1974, elles ont fait place à de puissantes bombes à neutrons, capables d'exterminer la population sans endommager les infrastructures. Des milliers de morts d'un coup. Et toi, tu nous parles de putain d'infrastructures? On voit où sont les priorités. On tue les gens, mais on sauve les bâtiments. Le but, c'est de préserver notre mode de vie. Depuis quand tu sais pour la bombe manquante? Une des bombes a été désactivée il y a 8 semaines. On soupçonnait Perseus, mais sans avoir de preuves. Jusqu'à ce qu'on voit les photos rapportées de Berlin-Est. Donc, on a une bombe nucléaire américaine disparue. Et quand Perseus la fera sauter, les États-Unis deviendront l'ennemi mondial numéro 1. On n'en serait pas là aujourd'hui si t'avais fait ton boulot et tué Perseus au Vietnam. La prochaine fois, Hudson, je laisserai faire Woods. On doit savoir ce que Perseus prépare avec cette bombe. Park, on n'a rien d'autre dans les papiers que Belle et Woods ont rapportés de la base? J'y vois le nom d'un site d'excavation dans l'Oural, au mont Yamantau. D'après notre agent au KGB, c'est une opération active. Le Yamantau. Je pensais que Hudson et Weaver avaient enterré cet endroit depuis des années. C'est le cas. Perseus veut récupérer l'ordinateur central. Dragovich et Steiner ont sûrement dû laisser des trucs sympas. Steiner. Envoie Woods et moi. T'es trop impliqué, Mason. On n'a pas le droit à la moindre erreur. Connerie. Tu sais que personne d'autre peut faire ce boulot. C'est moi qui choisis. Et je veux Mason et Woods. Trouvez l'ordinateur central avant Perseus. Je vais contacter Belikov, notre agent au KGB. Il nous aidera pour la logistique. À dire vrai, il vaudra peut-être même piloter l'hélico lui-même. Je sais pas ce que Perseus vaut, Yamantau.
mais je le veux plus. Le premier bâtiment se trouve juste après cette crête. Merci, Dimitri. On se recontacte quand on aura trouvé l'ordinateur. Woods, tu sais ce que le KGB fait aux agents doubles ? Non ? Da ! S'il gagne cette saison, je sourirai même au peloton d'exécution. Hé ! J'ai juste une heure de carburant. Après ça, tu devras te trouver un autre taxi. On se met en route, Mason !